Bonjour les amis, bienvenue sur Next Generation. Alors aujourd'hui nous allons retrouver Laura Bretagne. Alors cette fois nous sommes en 2017 et Laura Bretagne a 15 ans tout simplement. Elle va chanter sur une grande scène de l'opéra en Roumanie, alors certainement à Bucarest. Je ne connais pas précisément l'endroit. Et cet air d'opéra qu'elle va nous interpréter, il s'agit de Vici d'Arte. Alors c'est tiré de l'opéra Tosca de Puccini, un opéra qui a été créé en 1900, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et bah, écoutez, sans plus attendre, nous allons écouter l'exceptionnelle voix de Laura Bretagne dans son adolescence, parce qu'aujourd'hui elle a 21 ans. Donc c'est un enregistrement qui date quand même de 5 ans. Laura Bretagne, Vici d'Arte. Ah, effectivement, elle est plus jeune hein, que sur ma précédente vidéo. Bravo Laura. Wow, sublime.
Sublime. Oh là là. Je vais trouver une petite. Pouf. Alors, habituellement, je connais un petit peu les vidéos que je vais vous présenter. Et là, exceptionnellement, aujourd'hui, je viens de la découvrir en même temps que vous. J'avoue que l'émotion, vraiment m'a emporté un moment, là. Quelle voix! Quelle voix superbe, superbe, cette puissance! Et puis, il y a un peu deux textures, hein. Il y a cette voix un peu de tête, et puis à ce coup, cette voix qui vient un petit peu de la gorge, là, qui pousse la puissance à. Oh, là, je suis scotché, là. Magnifique, magnifique. Puis alors, quelle jolie robe, là. Superbe. Les producteurs de l'émission ont d'ailleurs une petite délicatesse, hein, c'est d'avoir fait le bandeau de présentation de Laura, de la couleur de sa robe, je crois, hein, au début, il me semble. Bon, je vais revenir en arrière. Je crois bien. Attendez, on va le mettre ici, là. On va couper le son. Donc là, on va attendre le bandeau de présentation. On va mettre le son quand même. Voilà. Ah, oui, le bandeau de présentation est raccord avec la robe de Laura. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est très sympathique. On va essayer de s'écouter la fin de nouveau parce que là, elle nous a enchantés. J'avoue que là, j'ai eu la gorge serrée, j'avais des frissons partout et puis les larmes aux yeux, hein. Franchement. Ah, on va revenir un peu en arrière. J'ai raté le meilleur. La puissance de la voix, hein. Là, 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 là. Dommage, le réalisateur a pas saisi le paroxysme de la voix. Il s'est attardé un peu sur l'orchestre à un moment donné. Mais enfin, peu importe. C'est sublime, superbe. Je suis heureux d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est un des abonnés de la chaîne qui m'a proposé d'écouter cette interprétation de Laura Bretagne et je l'en remercie. C'est absolument superbe. Voilà. Bah écoutez, nous regarderons ensemble d'autres vidéos de Laura Bretagne prochainement. Je vous souhaite une bonne journée et puis, eh bien, à bientôt. Au revoir.